Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec un unboxing de la collection limitée de chez Yves Rocher. Cette année, pour Noël, ils en ont sorti deux. Il y a Baie des Merveilles, donc dans les couleurs rouges, ainsi que aussi Vanille Blanche, voilà quoi. Je sais pas pourquoi, pas Vanille tout court, voilà quoi. Allez les demander pourquoi. Ne demandez pas moi pourquoi. Alors, il faut savoir que cette année, je suis un peu en retard par rapport aux années précédentes. Tout simplement, premièrement, c'est que j'ai eu un problème d'ordinateur, voilà quoi, pendant 2 semaines. Il est en réparation, donc je l'avais déjà filmé cette vidéo. Et de deux, je vais vous montrer deux commandes comme l'année dernière, sauf que c'est la deuxième commande, donc c'est la plus grande, c'est celle-ci de maman. Elle a mis du temps à venir, voilà quoi, elle était pas là début décembre comme d'habitude. J'ai l'habitude de vous montrer cette vidéo, c'est pour ça. Mais dites-vous une chose, que même que c'est des collections limitées, même que c'est des collections ou à édition limitée, voilà quoi, vous en faites ça comme vous voulez, ils ont jusqu'au seuil d'hiver de l'année suivante, donc j'ai envie de dire jusqu'à mi-janvier, fin janvier. Et dites-vous aussi une chose, que même si Noël est déjà passé et que vous voyez cette vidéo, qui sait, peut-être au mois de janvier, vous allez avoir des invités et vous leur offrir un cadeau de Noël parce que vous n'avez pas vu sur Noël. Ou encore, deuxièmement, il y a une personne qui a un anniversaire sur Noël et vous avez envie de offrir ce cadeau-ci à une personne, voilà quoi, c'est pour ça. Donc, ils sont déjà ouverts comme vous pouvez le voir. Alors, vous allez me dire, c'est un unboxing, mais les cartons sont déjà ouverts. Oui, comme je vous l'ai aussi déjà dit l'année dernière, il y a 2 ans en arrière aussi, faut savoir que ces cartes, je demande toujours à maman de vérifier la commande pour voir s'il y a tout, que ceci, comme quoi soit ils n'ont rien oublié, ou encore comme quoi il y a marqué sur les factures qu'il faudra les contacter parce qu'il y a un article qui est en rupture de stock. Donc c'est pour ça. À l'heure où je tourne cette vidéo, tous les produits sont encore disponibles sur le site de Yves Rocher. Pour les prix, je ne les connais plus de tête, voilà quoi, je vais les insérer au fur et à mesure où je vais vous montrer soit le produit ou soit le lot que c'est déjà composé par Yves Rocher. Ce que je peux aussi vous dire par rapport à l'année dernière, c'est que quoi, ils ont plusieurs éditions limitées, mais ils ont seulement une bougie parfumée sur les deux éditions. Je ne l'ai pas acheté tout un peu parce qu'elle a augmenté du prix par rapport à l'année dernière, voilà quoi, premièrement. Et deuxièmement, j'ai pour l'instant encore assez de bougies parfumées en stock. Et aussi, ça que j'ai vu par rapport aux années précédentes, ils ont sorti cette fois-ci un gommage corporel. Et ça que j'ai aussi vu sur le site par rapport à l'année dernière, ils ont ressorti des choses dites en édition limitée qui sont pareilles comme l'année dernière. Alors soit ils avaient encore un stock énorme et qu'ils l'ont remis cette année, ou soit encore ça a tellement bien marché que tout le monde ne l'a pas reçu. Alors de quoi je parle? Je parle de la boule de Noël, de la valisette de Noël, de la chaussette de Noël, ainsi aussi que les sachets. Ce qu'on peut offrir, voilà quoi, ainsi aussi que c'était un petit rouleau, je crois, de 20 autocollants étiquettes, tout ce qu'on peut marquer de qui, pour qui ça va être et de qui c'était offert. Donc voilà, après ça qui est bien, j'ai envie de dire, avec la valisette, la boule et la chaussette de Noël, c'est que soit vous pouvez utiliser le lot composé par Yves Rocher soi-même, ou soit vous pouvez mettre des produits vous-même dedans, et ce sera pour tout âge. La tranche de prix, cette année, ça va pour les femmes de 1,95 jusqu'à 22 € dans les éditions limitées. Soit c'est une eau de toilette, soit un lait, je sais plus, avec un collier ou un peignoir, je sais plus exactement. Ça, ça peut monter jusqu'à 30 €. Et chez les hommes, ça monte jusqu'à 25-26 € pour les lots qui sont déjà composés par Yves Rocher. Par contre, cette année, je n'ai pas vu de lot composé directement pour les enfants par rapport à ce que j'ai déjà vu les années précédentes sur leur site. Ça que je peux aussi vous dire, c'est qu'ils ont mis des choses en collection limitée, j'ai envie de dire ça comme ça, mais qu'ils ont toute l'année, voilà quoi. Il y a des produits de maquillage, que ce soit une palette qu'ils ont mis, des vernis à ongles, des crayons à lèvres éclats, les produits bains et douches, ça ils ont toute l'année, donc je vois pas pourquoi ils les ont mis dans l'édition limitée de Noël, en sachant quand même que c'est pas les odeurs soit Baie des Merveilles ou soit encore Vanille Blanche. Ça, j'ai tout de suite eu envie de faire une petite parenthèse. Donc on va tout de suite commencer avec ça. Je pense que c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. Donc pour ma part, je sais plus trop qu'est-ce que j'ai commencé. Donc premier lot que j'ai acheté, c'est un... Donc moi j'ai pas très beaucoup d'articles. Donc première chose que j'ai acheté, c'était une offre, c'était un lot bain de douche Baie des Merveilles plus l'ours en peluche porte-clé. Donc le gel douche en format, le petit format du gel douche, donc il se présente comme ceci. C'est la référence 72489. On sent pas vraiment plusieurs baies différentes, voilà quoi. J'ai l'impression qu'on sent la cranberry, donc j'ai l'impression qu'on revoit l'édition de l'année dernière sur un autre nom.
mais plus acidulé que par l'année dernière. Et c'est rouge, voilà quoi, c'est pas seulement le flacon, donc j'ai l'impression qu'ils ont fait un copier-coller de l'année dernière. Donc là, je suis un peu déçue. Et le porte-clés, il se présente comme ceci. Donc je vais l'enlever de l'édition. Donc un joli comme ceci. Il est super doux. On peut très bien accrocher les clés, il n'y a pas de souci. Par rapport à des années précédentes, il est super doux. Voilà. Après, deuxième produit que je vais vous montrer, c'est la crème Baie des Merveilles. Donc en grand format aussi, le 75 ml. C'est la référence 80205. Elles ne sont pas aussi acidulées que par rapport au bain douche. Cette année, oui, ils ont changé. C'est plus du gel douche, mais du bain douche. Après, je me suis acheté le bain douche vanille blanche, le grand format, donc le 400 ml, qui se présente comme ceci. Il est blanc nacré, je ne sais pas si on va bien le voir à la vidéo, mais là, en vrai, il est super nacré. Donc là, c'est la référence 73 482. Il s'ouvre plus facile que le petit format. C'est une vanille pas trop sucrée, si jamais. Ça sent super bon, voilà quoi. Je ne sais pas après si les autres produits vont être pareils. Après, j'ai le gel main lavant des bains, donc un savon liquide pour les mains si vous préférez, en format 190 ml, donc j'ai l'impression que c'est les flacons habituels. Référence 78 683. Je vais l'ouvrir comme ça, de 1, ça m'évite de gaspiller le produit, parce que si j'appuierai et je ne me lave pas les mains directement. Ça sent pareil comme la crème pour les mains, donc pas aussi acide que le bain douche. Après, nous avons un baume à lèvres nourrissant au baie, donc on a quoi, Baie des Merveilles, donc en rouge. Là, c'est la référence 24 744, et c'est un stick de 4,8 grammes, donc on a quoi, le stick habituel. Après, j'ai le gel main, donc à la vanille blanche, aussi en 190 mg, aussi nacré comme le gel douche. Voilà, ça c'est la référence 76 070. Ils sont pareils comme le gel douche, enfin le bain douche, voilà quoi. Je pense que j'ai encore plein de fois de me tromper dans cette vidéo parce que je n'ai pas l'habitude de dire bain douche par rapport au gel douche. Et après, j'ai encore une fois la crème à la vanille blanche. Moi, je préfère la vanille, c'est pour ça que les baies des merveilles. Je préfère l'odeur de vanille que de baies. Ils sont pareils comme les deux autres produits que je vous ai montrés, donc ça c'est la vanille blanche. Donc, format de 75 ml, référence 82 490. Et en échantillon, j'en avais deux. C'est l'échantillon qui a l'amour eau de parfum, que je présente comme ceci, ainsi aussi que la sensitive végétale crème hydratante apaisante, donc voilà quoi. Et le cadeau comme ils disent de remerciement, c'est un rouge à lèvres de la gamme Grand Rouge, donc je crois que c'est une 20aine d'euros si je ne me trompe pas, qui s'appelle 102 satin satiné, référence 82 370. Donc ils ont changé l'emballage. D'un côté je préférais l'autre parce que je trouvais que c'était plus de l'amour que ça, mais deuxièmement je préfère là de voir mieux le raisin que dans l'ancien emballage. Donc voilà quoi, c'est le pour et le contre leur emballage. Voilà quoi, je trouvais que ça faisait beaucoup plus luxe leur emballage, l'ancien emballage. Donc ça c'était pour ma commande. Donc on va passer à la commande de chez maman. Là c'est un carton bien plus grand. Le carton, il est tellement grand qu'il n'était pas rentré dans la boîte aux lettres, sachant quand même que nous avons une serrure PTT, donc le facteur pour ouvrir. En largeur et hauteur, le carton ne me choque pas, mais en longueur, oui. Donc je vais vous le montrer. Il se présente comme ceci. Il se présente comme ceci, voilà quoi. Donc oui, c'était aussi ouvert parce qu'elle a vérifié qu'il y avait tout, voilà quoi, comme je vous le dis tout le temps. C'est pour ça qu'il était tout simplement ouvert. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, donc voilà quoi. Donc elle, la première chose qu'elle s'est achetée, c'est un cube de bain à la noix de coco qui se présente comme ceci. Donc référence je dis pas de bêtises, référence 42 573. Donc voilà quoi, c'est les cubes qu'on met dans le bain, ça ils ont toute l'année, donc voilà quoi, pas besoin de vous jeter dessus si jamais vous avez envie de l'acheter, soit pour vous ou soit pour quelqu'un d'autre. Après, j'ai acheté le lait corps à la vanille blanche. Je trouve qu'il est beaucoup plus foncé, moins nacré et beaucoup plus dans la couleur crème par rapport au bain douche. Voilà quoi, je vous pouvez très bien le voir dans la vidéo. Ça, c'est la référence 76 761, et c'est un format de 200 ml. Il s'en pareil comme le bain douche, donc j'ai envie de dire comme le petit format du bain douche habituel. Après, elle a acheté un lot qui s'appelle bain de douche vanille blanche, gel main vanille blanche.
Baume à lave, vanille blanche, ours en porte-clés et valisette en métal. Donc, bain douche, c'est le petit format, donc le 200 ml. Là, c'est la référence 74 289. Ils sont pareils comme le grand, hein, si jamais. Le gel main lavant. Donc, je vous l'ai déjà montré avant dans ma commande et la référence aussi, donc j'ai pas besoin de vous la redire. Avec ça, ça va le baume à lèvres à la vanille blanche. Donc, il se présente comme ceci, en 4,8 g plastique normal, référence 24 141. Donc, je ne vais pas l'ouvrir, vu que je ne sais pas si c'est les produits qu'elle garde elle-même ou pas. Voilà quoi, je sais qu'elle offre pas mal de fois des produits brochés pour Noël, surtout si c'est des personnes en dernière minute, donc elle offre souvent ça. Et après, elle se rachète pour elle-même. L'ours en peluche, donc, qui se ressemble comme ceci, au même, comme avant quand je vous avais montré le gel douche. Puis, avec ça, encore la valisette en métal. Donc, il se présente comme ceci, dans cet emballage-ci. Donc là, c'est la référence 38 387. Elle l'avait déjà ouvert, donc je vais vous la sortir. Donc, elle se présente comme ceci. Cette petite valisette, j'ai l'impression... cette petite valisette, elle a les couleurs comme les deux collections limitées qu'ils ont. Dans cette valisette, elle est assez grande qu'on pourrait mettre soi-même ses colis, voilà quoi, que ce soit gel douche, bain douche, lait et tout ça, ça rentre. Les savons aussi, largement. Donc oui, on peut facilement faire un coffret soi-même avec ça. Pas besoin de faire le coffret, j'ai envie de dire, comme eux, ils le montrent dans le sens où que ça s'achète soi-même, voilà quoi. Pas besoin d'acheter le lot, comme là, je viens de vous le dire. Après, elle a acheté un deuxième lot qui s'appelle Kit Mini Boîte. Donc, premièrement, il y a une maisonnette, comme ils appellent ça, avec des produits dedans. Donc c'est ceci-ci. Elle a aussi déjà ouvert, donc je peux aussi l'ouvrir et après le remettre dans le carton comme si rien n'était. Donc ça se présente comme ceci. Alors c'est très mignon et on peut très bien que le garder pour la décoration de Noël ou plus tard, que ce soit dans sa pièce à vivre ou encore dans la salle de bain. Il y a 4 produits dedans. Donc ça s'ouvre assez facilement sans le déchirer. Donc ça c'est aussi bien, on n'a pas besoin de voir, on peut l'ouvrir sans que ce serait offert, j'ai envie de dire. Donc là, il y a 3 miniatures dedans et un full size. Donc le full size, c'est le stick à lèvres, donc je vous ai déjà dit la référence avant. Après, il y a 2 autres produits dedans. C'est le mini gel douche, le mini bain douche en format 50 ml. Là, c'est la référence 77 891. En baie des merveilles, le tout est en baie des merveilles. Je ne sais pas si on pouvait le voir devant. Non, on ne s'est pas marqué dessus. Après, il y a aussi le miniature en lait corps, en 50 ml aussi, référence 80 617, avec la miniature de la crème pour les mains. Donc ça, c'est pour moi, j'aurais bien aimé soit le recevoir pour Noël de la famille ou des amis, voilà quoi, parce que je trouve que ça se glisse facilement dans un sac à main, voire même dans une pochette si on part faire la fête. Là, c'est la référence 81 857. Donc voilà, est-ce qu'ils sont... Ça sent exactement pareil comme la grande, donc voilà quoi. Après ça, on peut très bien remettre, ou soit, si jamais vous ne l'avez pas pu l'acheter en vanille blanche pour quelqu'un, vous pouvez sortir les produits Belle et Merveille et rajouter les produits à la vanille blanche. Enfin, à moi que c'est marqué dessus, tout ce qui est marqué, derrière c'est marqué Belle et Merveille, donc faites cette bêtise que je viens de vous dire. Malheureusement, vous ne pourrez pas la faire, donc voilà quoi. Après, je trouve que c'est très bien, on peut le mettre quelque part pour faire de la décoration. Ça fait très beau aussi, une fois que les produits soient vides, et on peut rajouter personnellement les autres produits à mettre en exposition sans qu'ils prennent trop la poussière. Après, avec cette maisonnette, il y a encore des produits à la vanille blanche, donc, mais aussi en miniature. Donc nous avons le mini lait pour le corps en format 50 ml de la même couleur que le grand en crème. Donc là c'est la référence 84 003. Là on ne peut pas l'ouvrir comme le grand, je trouve que c'est un peu dommage. Mais ils sont exactement pareils. Avec ça va aussi le gel, avec ça va aussi avec le bain douche aussi en format miniature, donc le 50 ml. Là c'est la référence 75 128. Là aussi c'est le même système que le lait. On ne peut pas l'ouvrir. Et ça sent pareil. Ainsi aussi que un baume à lèvres. Donc il se présente comme ceci. Donc je vous ai aussi déjà dit la référence avant. Donc c'est bon. Ainsi encore aussi la boule de Noël. Je trouve que voilà quoi, ça c'était aussi des éditions de l'année dernière. L'année dernière elle était toute rouge, voilà quoi, elle se présente comme ceci. Là c'est la référence 37 104.
Sur le site, ils vous montrent des exemples de compositions que Yves Rocher fait soi-même. Sinon, vous pouvez très bien faire les compositions vous-même avec ça que vous avez ou ça que vous avez envie de mettre. Par exemple, quand vous avez des produits Yves Rocher, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est la partie haute. Voilà quoi. Et là, nous avons la partie basse. Et vous pouvez aussi la poser parce qu'elle est plate. Voilà quoi. Pas comme une boule classique qu'on met au sapin. Donc, elle se ferme super facilement, je crois. En tout cas, l'autre, elle... Voilà quoi, elle se ferme super facilement et voilà, c'est fermé et vous avez votre chose dedans, peu près que ce soit, en format petit, voilà quoi, sur le site il vous montre soit avec des vernis ou soit avec les miniatures de gel douche des formats 50 ml, soit avec les deux baumes, ou encore après vous pouvez aussi mettre ce que vous voulez. Ah, c'est aussi encore le porte-clés, les oursons, voilà quoi, qui se présentent comme ceci. Ça c'était un lot, l'eau exactement le même que moi j'avais, donc c'est-à-dire le bain de douche Belle et Merveille avec le nounours qui va avec, donc voilà quoi, je vais pas vous dire les références, c'est exactement les mêmes comme la dernière fois dans ma commande. Tout seul, elle s'est encore acheté le bain douche en format moyen, j'ai envie de dire, vu que c'est le 200 ml, donc voilà quoi, à quoi il se ressemble, donc qui sont exactement pareils comme le grand, et la référence je vous l'ai déjà dit parce que dans un lot il était déjà. Et en dernier, elle s'est encore acheté la crème pour les mains Belle et Merveille, donc il se présente comme ceci, sauf que c'est à part les deux derniers produits que je viens de vous montrer. Elle n'a pas d'échantillon, je pense qu'elle ne les a pas demandé. Par contre, elle a deux cadeaux dedans. Premier cadeau, c'était un cadeau, en fait, elle avait un cadeau surprise de 50 €, mais vu qu'ils n'avaient rien mis pour le prix unitaire, ils ont mis deux produits dedans. Donc le premier produit, c'est la sébum végétal, rides et fermeté, soins refus, bon. Pour le jour, tout type de peau, et c'est la référence 25977 en peau de 50 ml. Avec ça, va aussi encore le lait pour le corps en format 200 ml, référence 65045. Alors ça, je ne vais pas sentir parce que tout simplement, cette odeur, moi, je ne l'aime pas. En tout cas, ça, c'est pour mon cas. Voilà quoi, après, chaque personne est différente. Si je trouve l'aimer, je n'aime ni le gel douche, ni le parfum, ni le lait du corps de la gamme So Elixir. Donc voilà quoi, ça, c'est pour ceci. Et encore, elle a eu le calendrier pour 2018, donc il se présente comme ceci, qui vous dit au fil des saisons à la Gassi. Donc là, nous avons un ensemble des 12 mois, avec un récit dit pourquoi Yves Rocher conçoit les produits comme ceci. Là, nous avons janvier, c'est des feuilles assez épaisses. Février, mars, avril, mai. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors moi sur ce calendrier, qu'est-ce que j'ai pu voir, c'est que ils ont mis juste les jours fériés nationaux, voilà quoi, nous en Alsace, ainsi aussi que le département 54, nous avons deux jours de fériés de plus, ils n'y sont pas. Je trouve que c'est dommage, et ainsi ils n'ont pas mis les jours des congés scolaires, je trouve que ça c'est un peu dommage qu'ils n'ont pas mis ces deux points, voilà quoi, ça c'est mon avis personnel. Les odeurs que je vous ai décrites, c'est à propos de mon nez, voilà quoi, chacun est différent. Pour ma part là, seulement avec l'inspiration que j'ai pu voir de chaque produit, je vous dis tout de suite que j'ai une préférence pour la vanille blanche par rapport aux Belles et Merveilles, parce que la Belle et Merveille, j'ai tous l'impression qu'on sent trop la cranberry, on revient trop une année en arrière, où ce qu'ils avaient une édition seulement sur la cranberry, et amande, je crois, au cacao, un truc dans le genre. La couleur, c'était pareil, c'était du rouge comme l'année dernière. Donc moi, je trouve que c'est un peu dommage. Après, c'est clair, les étiquettes ne sont pas pareilles que l'année dernière. Mais après, moi, je trouve que c'est un peu trop un rappel de l'année dernière. Donc ça, pour ma part, je trouve que c'est un point dommage. Point positif, c'est qu'ils ont, je pense, eu des personnes qui ont, je pense, pas mal de fois râlé comme quoi leur stock sur Internet était assez rapidement vide. Parce que souvent... quand on commandait déjà mi-novembre ou début décembre, vous avez eu sur votre facture comme quoi il faudrait contacter parce qu'il y avait ce produit, voire l'autre, ou je ne sais quoi, peut-être les lots même, ils n'étaient plus disponibles pour qu'ils nous envoient un autre produit. Donc voilà quoi. Après, qu'est-ce que je peux aussi vous dire? C'est comme quoi les lots, ça va. On a un lot, en plus, il n'y a même pas tous les produits dedans, ils montent jusqu'à 22 €, j'ai pu voir, donc ça, je trouve que c'est un peu dommage. Après, voilà quoi, comme je vous l'ai dit, ça c'est propre de mon odeur. Après, aussi, ça que je trouve aussi qui est dommage, comme je vous l'ai dit, j'ai dit en début de vidéo, c'est comme quoi ils ont mis des produits cosmétiques, des produits
soins pour bain et douche en édition limitée alors qu'ils les ont toute l'année, voilà quoi. Le petit nounou, je suis assez contente, voilà quoi, il est assez doux par rapport à 2-3 ans en arrière parce qu'il est très rugueux. Voilà quoi, après ça qui est bien avec, comme je vous l'ai dit, avec les chaussettes, la boule, la valisette, on peut les commander à part, voilà quoi, sans cuisson, avec ses produits et mettre les produits soi-même dedans. Voilà quoi, si c'est pour un enfant ou un adolescent, lui mettre des friandises ou un carré de cadeau dans le magasin, ce qui va souvent aller faire les achats sans qu'ils aient des produits Yves Rocher. Ça que je peux comprendre, voilà quoi, à un certain âge, on n'aime peut-être pas déjà les produits Yves Rocher. Donc voilà quoi, les références, je vous les mettrai bien sûr en barre d'infos. Avec, si c'est un lot, je vous mettrai le nom du lot avec la référence à côté, ça, il n'y a pas de souci. Voilà quoi, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez déjà ces produits, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous les avez déjà sentis en magasin, est-ce que vous les aimez ou pas du tout, ou par contre vous les avez déjà reçus par quelqu'un et par contre vous ne les appréciez pas du tout, voilà quoi, c'est pas du tout vos deux odeurs que vous avez appréciées par rapport aux années précédentes qu'ils ont fait. Ça que je trouve aussi dommage, j'ai vu sur leur site internet, c'est que le prix de la bougie, elle a augmenté je crois de 3 ou 4 euros par rapport à l'année dernière. Comme l'année dernière, ils avaient 3 éditions limitées, ils avaient seulement une bougie, une sorte de bougie par rapport aux 3 éditions. Cette année, ils ont 2 éditions et seulement une sorte de bougie. Je trouve que ça, c'est un peu dommage. Voilà quoi, ils ont pu faire pour les deux sortes d'éditions limitées. C'est pareil comme avec le gommage corporel, ils en ont seulement un. Ils ont seulement une sorte de gommage alors qu'il y a 2 éditions. Je trouve que ça, c'est un peu dommage. Peut-être qu'ils feront mieux l'année prochaine, qui sait. Dites-moi en commentaire aussi comment vous ressentez ces odeurs. Est-ce que pour vous c'est une odeur acidulée, sucrée, très bonne ou pas du tout? Voilà quoi. Et est-ce que vous serez content si que vous le recevez soit par une personne de votre famille ou soit par quelqu'un de proche? Que soit c'est vous qui le recevez par Noël ou soit c'est vous qui allez l'offrir à Noël, voilà quoi. Qu'est-ce que vous en pensez aussi des lots que Yves Rocher compose déjà, voilà quoi, parce que je trouve qu'il y en a qui sont bien, voilà quoi, c'est la 5 euros, là j'ai la facture devant le nez, ou 4 euros ça va, mais par contre le lot à 22 euros alors qu'il n'y a pas tous les produits, ça fait un peu mal j'ai envie de dire, hein. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de ma première impression de ces produits. En dernière fois, je vous mettrai aussi bien sûr là ce que vous pouvez me suivre, c'est-à-dire en venant t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ainsi aussi de me rejoindre sur Google+, Facebook, Blogspot, Skyblog, ainsi aussi sur Twitter. N'hésitez plus pas à me lâcher des pouces bleus, des j'aime, des pouces vers le haut, comme on appelle ça aussi encore, des likes, voilà quoi, tu appelles ça comme tu veux, de ça m'encourage à faire d'autres vidéos, que ce soit dans ce style de vidéo ou complètement dans un autre style, et de deux, et ça me montre que cette vidéo t'a plu, que ce soit le genre de vidéo et ou encore le contenu de vidéo. N'hésitez plus pas à la partager, sur ça, moi je te fais de gros bisous et je te souhaite de joyeuses fêtes. Tchuuu.